Et yo les amis, alors aujourd'hui il fait beau, on va se faire une petite balade en Porsche. Yeah! Mais avant toute chose, avant de partir, un truc important. Voilà, j'active l'aileron, comme ça on sera plus puissant. Allez, c'est parti, on y va! Alors tu vois ça, je sais pas si tu vois, j'ai laissé ma voiture au soleil hier, j'ai jamais vu ça, il y a le truc qui se décolle quoi. Je suis dégoûté les amis, juste quand je dois faire des vidéos en Porsche. Je vais rouler tranquille, on va juste se balader les amis. Pourquoi? Parce que aussi c'est une route hyper dangereuse. Pas parce qu'elle est serrée, mais parce que les gens ils roulent au milieu les gars quoi. Voilà, et il y a aussi beaucoup de pierres. Bon, quand t'as de la visibilité, ça va. Wouh! Ah, j'espère que la caméra elle va tenir, c'est tout. Bien sûr, tu rates ta vitesse quoi quand tu fais la vidéo. Alors attention, ah, je klaxonne toujours puisque les gens ils roulent au milieu. Surtout quand il y a des pierres, des fois tu les trouves sur ta voie en plein tournant ici. C'est des malades quoi. Vraiment des malades quoi. Oh putain, tunnel, attends, je repasse en première juste pour le bruit quoi. Ah merde, il y a quelqu'un, putain. Voilà, belle route de montagne, hein, comme tu vois. Hop. Je fais juste gaffe. Tu vois, c'est pour ça que je ralentis, parce que ça, c'est le tournant du milieu. Bon, après, il y a une belle ligne droite, t'inquiète pas. Hop. Et là, il n'y a personne, super tournant, j'ai vu personne en face. Et on fonce! Voilà, il n'y a pas de limitation de vitesse, donc si tu te rappelles de ton code, c'est limité à 90. Allez, on rétrograde, toujours freiner en rétrogradant, et en plus tu te sers du frein moteur, tac, t'accélères, on tourne, et bim! Faut savoir que j'ai le PASM dessus, ça veut dire que la voiture, elle se penche en même temps dans les tournants pour qu'il y ait plus d'adhérence. Ah, c'est une Porsche Cayman S, pour ceux qui n'ont pas vu l'ancienne vidéo où je l'expliquais. Oh putain, c'est dur de... Attends, hop, klaxon. C'est dur d'expliquer en conduisant quand même. Oh là là. Eh merde, il y a une voiture, putain. Bah, on va vite le doubler. Oh, la caméra devant, elle vibre beaucoup, quoi. C'est bon, je peux passer, mets-toi à droite. Allez, allez. Ah, il est sympa, il me laisse passer. Merci. Et ouais, ils sont sympas, les gens en montagne, t'as vu? Voilà, belle route. Voilà, il y a des pierres. Attends. Waouh, 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 waouh. Et ouais, pourtant il a pas plu. Hein. Alors quand il pleut, je te laisse imaginer le truc quoi. Hop. Ah, des pierres, des pierres, des pierres. Et comme tu vois, une belle route au milieu de nulle part dans les Alpes. Il y a une plus grande route qui est plus large, qui est beaucoup plus belle. On la fera aussi. Mais enfin, elle est pas beaucoup plus belle, c'est juste qu'elle est plus large, elle est plus agréable à conduire. C'est vrai que là, t'es toujours obligé de faire gaffe aux tournants et aux pierres. Au cas où il y a des gens qui roulent au milieu. Bon, heureusement, on n'en a pas croisé, c'est parce qu'il est 14h, ils sont tous en train de bouffer. Hop. Ah, je crois qu'on arrive bientôt au village. Alors c'est une route qui n'est pas beaucoup empruntée parce qu'elle amène presque dans un cul-de-sac en fait. C'est-à-dire que le village en gros il est assez isolé. Du coup les gens qui prennent cette route c'est que les gens qui vont à ce village. Après tu peux repartir de l'autre côté mais il n'y a rien d'autre en fait. Ah mon dieu, les enculés de leur race, ils ont mis des... Ah du gravier putain. Chier. Bon je vais rouler doucement du coup parce qu'il doit y en avoir ailleurs. Ouais. Ils peuvent pas mettre un panneau gravier quoi, ces enculés quoi. Chier. Ah ça me fout les nerfs, je te jure, à chaque fois c'est ça quoi. Je sais pas, ils font des travaux bizarres au plein milieu de la route, tu sais pas ce qu'ils foutent. Oh, 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 oh. Oh. Voilà, on arrive au village. Ouais, tranquille, hein, parce que le gravier, c'est bon, il y en a assez. Ah putain, du gravier encore. Ah.
Ouais, ici les villages c'est 30 km/h. Tu sais pas pourquoi en ville c'est 50. Bon, il y a plus de vues aussi, ils doivent moins esquiver, je sais pas. Et même quand tu passes un 30, t'as les vieux qui jouent à la botte, ils font comme ça tout le temps. Hein. Ouais, je vais juste aller après parce qu'il y a une bonne ligne droite. Attention aux chats, il y a beaucoup de chats aussi. Ils aiment bien traverser quand tu passes en Porsche en plus. Bon, ça va, la caméra devant, elle a fait le stress test, elle a bien tenu. J'ai mis la plus pourrie devant la voiture au cas où ça tombe, quoi, on sait jamais. Ok. Là, il y a une bonne ligne droite, les gars. Ah putain, il y a un cycliste. On va lui faire peur, regarde. Allez, à fond! Ah non, non, du gravier, du gravier. Ah! Ah putain, franchement, les gars, c'est pas mon jour de chance, quoi, aujourd'hui. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ça sur toutes les routes pour te niquer, pour bien niquer ma vidéo, quoi. Putain, sérieux. Bah, c'est bon. Maintenant, je repère. Dès qu'il y a un trou noir sur la route... Voilà, petit pont, là, tu vas voir, magnifique petit pont. Ça va, j'avais peur que c'était du gravier, tu sais. A noter que je ne dépasse pas les limitations de vitesse, bien sûr, les amis. Hop. Ah ouais, le tournant de la mort, les gens, ils sont tous au milieu. Hop. Voilà, je vais m'arrêter là, ça va suffire pour la balade d'aujourd'hui. Je vous montrerai un peu une autre route aussi. Voilà, il y a plein de routes sympas ici. Donc portez-vous bien les mecs, un peu de retard sur la vidéo de gaming parce que j'ai pas pu télécharger en fait, parce que j'ai une connexion pourrie. Donc je la ferai demain avec un abonné. Allez, portez-vous bien, jouez beaucoup, faites des tours en voiture. Et à bientôt, ciao !